Vous avez choisi de développer votre business grâce au content marketing ? SEMJ vous permet d'organiser votre production de contenu afin de vous assurer le maximum de performance SEO et de ROI. Pour construire votre planning éditorial, SEMJ vous permet de travailler deux types de contenus : de nouveaux contenus et vos contenus existants. Sur le web, 9 contenus sur 10 ne font pas de trafic. Grâce à SEMJ, vous pouvez inverser la tendance et capitaliser sur vos contenus existants pour développer votre business. Rendez-vous dans l'onglet Pages. SEMJ identifie vos contenus existants qui ont le potentiel d'augmenter sensiblement leur trafic organique. Une vraie mine d'or, car une partie de l'effort éditorial a déjà été fournie. En d'autres termes, ce sont des quick wins. Vous pouvez aussi choisir de les prioriser par gain de conversion, de transactions ou même de chiffre d'affaires. Pour utiliser le plein potentiel du système de priorisation, veillez à relier SEMJ à votre compte Google Analytics. Puis, quand vous avez identifié les contenus prioritaires par rapport à vos objectifs business, ajoutez-les directement dans votre planning en cliquant sur le bouton. Si un contenu performant vous rapporte du business, imaginez ce que 50 contenus bien optimisés peuvent générer. Avec SEMJ, assurez-vous que chaque nouveau contenu créé rencontre son audience et réponde aux exigences de Google pour atteindre très rapidement le sommet de la page de résultats. Pour ajouter de nouveaux contenus à votre planning éditorial, c'est facile. Cliquez sur « Create Draft » et laissez-vous guider. SEMJ vous propose de saisir un premier mot-clé illustrant votre thématique prioritaire afin de vous proposer des focus keywords intéressants sous forme de requêtes classiques ou de questions. Choisissez-les avec soin en analysant le volume de recherche, mais aussi l'intention du mot-clé qui vous permettra de déterminer l'angle de votre contenu. Même si le volume de recherche des questions est souvent moins important que celui des requêtes classiques, il ne faut pas les négliger pour autant. Elles vous permettent de viser une position zéro ou une présence dans les PAA, les autres questions posées. Planifiez la création de plusieurs nouveaux contenus dès lors qu'ils présentent un fort potentiel de trafic et qu'ils répondent à un intérêt de votre cible business. Une fois votre sélection terminée, lancez les analyses. Les nouveaux contenus apparaissent eux aussi dans votre planning éditorial. Vos contenus quick win et nouveaux contenus prioritaires sont bien ajoutés au planning ? Veillez alors assigner à tous un responsable et une date d'échéance. Vous pourrez aussi modifier leur statut pour marquer leur état d'avancement au fur et à mesure de la production. Votre planning est prêt ! Félicitations ! N'hésitez pas à utiliser les tris et les filtres pour bien vous y repérer. Maintenant, lancez la production et suivez-la en temps réel dans l'onglet « Reports » et sur votre dashboard.